Monsieur le témoin, nous sommes en audience publique maintenant. Cela signifie que vos propos sont entendus en dehors de ce prétoire. Je vais commencer par votre fiche signalétique. Veuillez nous donner votre nom complet, votre date de naissance ainsi que votre lieu de naissance, s'il vous plaît. Monsieur le Président, mais avant de décliner mon identité, je voudrais, avec votre permission, sacrifier un préambule, si vous me permettez. Le Président, vous veuillez décliner votre identité d'abord, ensuite vous aurez l'occasion de faire ce préambule. Donnez-nous votre nom, votre date de naissance, votre lieu de naissance, votre profession également. Monsieur le Président, je suis le colonel Kouaou Amicha Edouard, né le 1er janvier 1963 à Guitry, actuellement commandant de la garde républicaine depuis le 11 décembre 2011. Cela dit, je voudrais, Monsieur le Président, vous remercier pour l'autorisation que vous me donnez. Je voudrais dire aujourd'hui que je bénis ce moment. Je bénis ce moment que l'Éternel des armées nous donne. Et je voudrais demander par la même occasion son Esprit Saint pour que je puisse dire la vérité. Parce que tout ce qui sortira de ma bouche de la chair risque d'être trahi par des sentiments. Et c'est pour cela que je voudrais dit la chose suivante: Ô Esprit Saint, amour de Dieu et du Père, insuffle en moi, inspire-moi toujours ce que je dois dire, ce que je dois faire, comment le faire, ce que je dois penser, la gloire de ton nom et le salut des hommes. Je voudrais aussi vous saluer, saluer la cour et saluer l'Assemblée ici, et particulièrement le président Laurent Gbagbo. Je voudrais, pour terminer aussi, vous apporter les salutations fraternelles de mon pays, la Côte d'Ivoire, terre d'espérance promise à l'humanité. Et c'est uni dans la foi nouvelle que nous apporterons la paix et que cette patrie sera la patrie de la vraie fraternité. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je suis à présent à vous. Thank you very much. Le Président, je vous remercie. J'ai quelques consignes à vous faire avant de donner la parole à l'accusation dans un premier temps, qui vous interrogera. Premièrement, vous avez un avocat avec vous, donc un avocat vous a été commis, et qui est assis à côté de vous. Il est là pour vous fournir des conseils juridiques en cas d'auto-incrimination. L'accusation a indiqué que les garanties octroyées au titre de la règle 77, 74, dis-je, s'appliquaient dans votre cas. Et Maître Karambé est là avec vous. Si vous avez des préoccupations, vous pourrez consulter votre conseil qui pourra vous donner des conseils, éventuellement soulever des préoccupations auprès de la Chambre en votre nom. En tout état de cause, la Chambre vous donne des garanties en application de la règle 74.3 du règlement de procédure et de preuve, savoir que votre déposition ne sera pas utilisée ni directement ni indirectement contre vous, dans quelque procédure judiciaire ultérieure, que ce soit devant cette cour, sauf au titre de l'article 70, si vous commettez un parjure, et en conséquence, si l'une ou l'autre partie vous pose une question, question qui, d'après vous, pourrait vous auto-incriminer,
Nous passerons alors à huis clos partiel pour entendre votre réponse, afin que votre réponse ne soit pas communiquée à l'extérieur. Elle demeurera confidentielle. La partie qui vous aura posé des questions, ce genre de questions, il incombe à cette partie-là de demander le passage à huis clos partiel avant de poser une question susceptible de vous auto-incriminer. Évidemment, votre conseil de permanence, Maître Carambé, devra faire preuve de vigilance et intervenir si cela est nécessaire. Voilà la première consigne. La deuxième consigne est la suivante. Il s'agit des langues utilisées dans ce prétoire. Vous allez vous adresser à nous en français. Or, moi, je m'adresse à vous en anglais. Vous serez interrogé en français probablement ou en anglais, mais de toute façon, je vais vous demander de parler lentement, comme je le fais maintenant, et de ménager une pause entre la fin de la question et le début de votre réponse. Une petite pause pour donner l'occasion aux interprètes et aux sténotypistes d'interpréter et de consigner vos propos correctement. Il est important de parler lentement et clairement. Maintenant, s'agissant de votre déposition, comme vous l'avez dit et vous en êtes tout à fait conscient, notre chambre a été constituée afin de connaître de l'affaire de procureur contre Monsieur Laurent Gbagbo et Monsieur Charles Blégoudet. Vous, en tant que témoin, avez été appelé à la barre afin de nous aider, nous tous, mais tout particulièrement la Chambre, dans notre quête de la vérité. Il vous sera posé des questions d'abord par l'accusation, ensuite par les deux équipes de défense, c'est-à-dire la défense de M. Gbagbo et de M. Blégoudé. La Chambre vous posera éventuellement des questions aussi. Si à un moment ou un autre vous avez des préoccupations, levez la main et adressez-vous à moi. Vous allez devoir prendre un engagement solennel en tant que témoin, l'engagement de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Vous trouverez devant vous la formule que vous allez devoir lire à voix haute. Je pense que vous avez une carte devant vous pour cela. Allez-y, donnez lecture, s'il vous plaît, de cette formule. Merci, Monsieur le Président. Je déclare solennellement que je dirai la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité. Thank you very much. Le président, merci infiniment. La dernière chose que je dois vous dire maintenant, et je pense que vous le savez certainement, ne pas dire la vérité devant cette cour a des conséquences. Le parjure est une infraction devant cette cour. Je pense que cela est clair dans votre esprit, n'est-ce pas? Le président, bien. Je pense que nous sommes prêts à commencer maintenant. Nous siégerons pendant trois volées d'audience d'une heure et demie chacun. Et nous allons commencer avec l'accusation qui dispose d'un peu moins d'une heure et demie pour ce premier volet d'audience. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Morning, Mr. President. Monsieur Garcia, bonjour, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges. Alors, bonjour, monsieur le témoin. Bonjour. Alors, je m'appelle Lucio Garcia. On s'est rencontrés brièvement durant la rencontre de courtoisie et je vais vous poser des questions pour l'accusation aujourd'hui.
Ce que j'aimerais vous dire juste avant qu'on commence les questions, c'est que si à un certain moment, une de mes questions ne vous paraît pas claire, ou simplement que vous ne la comprenez pas, n'hésitez pas à m'arrêter et je vais reformuler la question. Question qu'on soit efficace. Vous avez bien compris? C'est bien compris. Alors, effectivement, une autre chose qui est bien importante, et moi-même, je vais en tenir rigueur, c'est le nombre de secondes entre ma question et votre réponse. 3, 4 secondes, 5 secondes, attendez un peu de temps après ma question et par la suite, répondez. Merci. Ça va? Alors, dans un premier temps, vous nous avez, vous avez mentionné à la Cour que vous avez... vous êtes présentement le commandant en chef du corps de la garde républicaine, c'est exact? C'est exact. Et pourriez-vous nous dire, je sais que vous avez mentionné une date, mais quand avez-vous été confirmé dans cette position? Depuis le 11 décembre 2011. Et avant le 11 décembre 2011, vous aviez quelle position? Avant le 11 décembre, j'étais le commandant du groupement numéro 1 de la garde républicaine. Avez-vous agi à un certain moment en tant que chef intérimaire de la garde républicaine? Affirmatif. Simplement pour qu'on soit clair à cet égard, après la crise post-électorale et jusqu'à votre confirmation en tant que chef, confirmation officielle, est-ce que vous avez agi en tant que chef intérimaire durant cette période-là de temps? Négatif. Alors, pourriez-vous nous dire brièvement quand vous avez agi à titre de chef intérimaire de la garde républicaine? C'était généralement pendant les visites d'État du président. Pendant ces visites d'État, le commandant de la garde républicaine et son adjoint étaient donc en déplacement avec le président. Et c'est donc à ce titre-là que j'assurais l'intérim. D'accord. Pourriez-vous nous dire quand vous avez été affecté pour la première fois à la garde républicaine? C'est en 2004. Pourriez-vous nous dire quel était le grade militaire que vous aviez lorsque vous avez été affecté à la garde républicaine en 2004? J'étais chef de bataillon. Et avant d'avoir été affecté à la garde républicaine, que faisiez-vous? J'étais affecté à l'Office national de la protection civile en tant que chef des risques technologiques et bâtimentaires. Et vous avez fait ça pendant combien de temps? J'ai été donc affecté à l'Office national en 2002. Bon, merci, monsieur le témoin. Alors, pour l'instant, revenons à la garde républicaine. Je vais vous poser certaines questions concernant la hiérarchie au sein de la garde républicaine au moment de la crise post-électorale et juste avant. Mais avant d'entamer cette ligne de questions, est-ce que pourriez-vous nous expliquer quelle est la mission de la garde républicaine? La mission de la garde républicaine est la suivante: assurer la protection du président de la République, des hautes autorités, des institutions
Et aussi sur réquisition, nous pouvons aussi être appelés à faire du maintien d'ordre. Et de façon aussi exceptionnelle, le président peut désigner, peut demander au commandant de la garde républicaine d'assurer la sécurité de certaines personnes spéciales. Afin qu'on soit clair sur la question, sur cette question de maintien de l'ordre, est-ce que c'est sur ordre du président que vous pouvez agir dans cette fonction? C'est ce que disent les tests. C'est le président. Et comme à ce moment, je n'étais pas le commandant de la garde républicaine, c'est mon chef qui pourrait éventuellement répondre à cette question. Je comprends, monsieur le témoin, mais simplement pour qu'on ne soit pas confus sur la question, je vous pose la question aujourd'hui en ce qui concerne la mission de la garde républicaine. Mais je comprends qu'à l'époque, vous étiez quand même commandant du groupement numéro 1, c'est exact? C'est exact. Et dites-nous, monsieur le témoin, vous êtes présentement commandant en chef de la garde républicaine. En quoi consistent vos fonctions? Merci. Mes fonctions, en fait, sont liées même à la mission de la garde républicaine. En tout temps et en tout lieu, assurer la sécurité du président dans ses déplacements, assurer la sécurité du palais, coordonner aussi toutes les activités même du corps pour le bon fonctionnement du corps et aussi exécuter les ordres venant de l'état-major général en vue de la formation de l'instruction du personnel de la garde républicaine. Alors, monsieur le témoin, j'aimerais ça qu'on retourne à cette question au moment de la crise post-électorale. En Côte d'Ivoire, vous nous avez dit que vous agissiez à titre de commandant du groupement numéro 1 de la garde républicaine. C'est exact? C'est exact. Et à cette époque, la garde républicaine, est-ce qu'elle était divisée en d'autres? Est-ce qu'il y avait un autre groupement où se trouvait la garde républicaine également? Oui, il faut dire qu'au niveau même de l'organigramme de la garde républicaine, il y a l'état-major, qui constitue donc en fait du commandant de la garde républicaine et de son adjoint et son cabinet. Et puis, en dessous, il y a deux groupements. Le groupement numéro 1, qui se trouve à Abidjan, dont j'étais le commandant. Et le groupement numéro 2, qui était à Yamoussoukro. Alors, merci, monsieur le témoin, pour l'explication et pour l'organigramme. En fin de compte, c'est le genre de question que je vais vous poser. J'aimerais savoir un peu plus, la Cour aimerait savoir un peu plus sur cet organigramme de la garde républicaine à l'époque. Alors, vous nous avez mentionné que vous étiez le commandant du groupement numéro 1. Le groupement numéro 1 se trouvait où exactement? Vous avez dit Abidjan, mais à quel endroit? Il faut dire que j'avais un rayonnement sur trois secteurs. Le poste de commandement du groupement numéro 1 se trouvait à Trècheville, à la commune de Trècheville. Ensuite, j'avais une compagnie dans la commune du Plateau, où se trouve donc le palais, dont la mission était de sécuriser donc le palais. Et une autre compagnie à Cocody,
dont la mission était de sécuriser la résidence. Mais l'état-major même du groupement numéro 1 se trouvait donc à Trècheville. Voilà un peu comment est-ce que nous étions répartis. Alors, on va les aborder, monsieur le témoin, un à un. En ce qui concerne Trècheville, et simplement pour la Chambre, si je comprends bien, c'est une commune qui se trouve à Abidjan Sud. C'est égal. C'est exact. Et c'est également une commune qui est reliée à Abidjan Nord par deux ponts. C'est le pont Fouet-Boigny et le pont Président de Gaulle. C'est exact également? C'est exact. Et encore sur la question de Trècheville, si je comprends bien, à l'époque de la crise post-électorale, il y avait une caserne qui s'y trouvait, où vous étiez. C'est exact? C'est exact. Il y avait combien d'éléments qui se trouvaient, combien d'éléments de la garde républicaine qui se trouvaient dans cette caserne de Trècheville à cette époque, au moment de la crise post-électorale? Au niveau de Trècheville, j'avais deux compagnies, plus une compagnie de soutien, donc trois. Donc nous étions sur ce site, un effectif d'environ 300 personnes. Mais il faut mentionner, il faut dire que, au regard de nos missions, nous avions des éléments qui était détaché auprès de certaines autorités pour assurer leur garde. Donc, nous avions environ 300 personnes sur site et nous avions aussi un personnel qui avait pour mission d'assurer la sécurité de certaines autorités qui avaient droit. Nous allons aborder ce sujet. Mais pour l'instant, je remets ça qu'on parle des compagnies qui se trouvaient à Trècheville. Si je comprends bien, c'est des compagnies qui sont sous vos ordres. C'est exact? C'est exact. Pourriez-vous nous donner le nom des commandants de chacune de ces compagnies? Commençons par la... Je crois que vous avez parlé de la deuxième compagnie. La deuxième compagnie, il y avait le lieutenant... Attendez un instant. Le lieutenant TTI Gérard, voilà, parce qu'ils sont tous affectés, donc ça fait quand même longtemps. Il y avait le lieutenant TTI Gérard et le lieutenant Guibéi Kakou. Alors, les deux personnes dont vous avez mentionné, M. Gérard TTI et Guibéi Kakou, pardon. Alors, c'était les commandants des deux compagnies qui se trouvaient sous vos ordres à Trècheville. C'est exact. C'est cela? C'est cela. Et simplement pour qu'on comprenne bien... Maître Chez, est-ce que nous pourrions avoir l'orthographe exacte pour le compte-rendu d'audience, je vous prie, le président? Oui. Est-ce que vous pourriez faire en sorte que ces noms soient épelés? En ce qui concerne Roger Guibéi, le nom de famille, c'est G-U-I-B-E-H-I, Kakou, K-A-C-O-U, et Gérard TTI, c'est T-E-T-E-H-I. C'est exact, monsieur, c'est moi? Le président, c'était un petit peu trop rapide, donc est-ce que vous pourriez répéter, monsieur le procureur? Transmise aux interprètes, etc. Et je crois que fort probablement les noms s'y trouvent dessus. Alors, je crois que pour la question du transcrit, ces noms vont être correctement retranscrits. Et on me fait un signe de la tête de façon positive. Alors,
Mais si la courbe, évidemment, je peux. Alors, nous avons transmis une liste de tous les noms, tous les endroits, les organismes, entités qui sont pertinentes au témoignage de ce témoin, afin que ça soit beaucoup plus facile pour retranscrire ces noms par la suite. Le président. Oui, cela est confirmé par les gestes qui proviennent des cabines. Donc, merci. Poursuivez. En étions aux deux compagnies qui se trouvaient sous vos ordres à Trècheville. Est-ce que vous-même, à cette époque, est-ce que vous aviez un officier adjoint? Oui, à cette époque, j'avais le capitaine Blé Urbain qui était mon adjoint. Est-ce qu'il s'agit du capitaine Blé Urbain Kouassi? C'est exact, il s'agit de lui. Est-ce que le capitaine Blé Kouassi Urbain avait d'autres fonctions en tant que autre que celle d'officier d'adjoint? Non, il n'avait pas d'autres fonctions. Et lorsque vous affirmez qu'il était officier adjoint, en quoi consistaient ses fonctions au camp de Trècheville? En fait, c'était mon adjoint, donc qui suppliait mon absence quand j'étais absent. Donc, il assurait donc l'intérim de mon commandement. Et dans les circonstances où vous étiez présent pour les opérations, les ordres d'opération, est-ce qu'il avait une fonction particulière à cet égard? Oh, pour les opérations, les ordres venaient de l'état-major du plateau et à mon niveau, je les répercutais en fonction des missions à accomplir. Est-ce que vous les répercutiez vous-même ou est-ce que quelqu'un d'autre, peut-être votre officier adjoint, agissait pour vous pour répercuter ces ordres ou commandant de compagnie ou section? Il faut dire que il y a deux périodes, il y a deux niveaux. Avant la crise même, au niveau d'Abidjan, c'est-à-dire la bataille d'Abidjan, je recevais les ordres directement. Et il fut un moment où je ne recevais plus les ordres de ma hiérarchie. Ma hiérarchie travaillait directement avec le capitaine Blé Kouassi. Voilà ce que je veux dire. Merci pour la précision, monsieur le témoin. Alors, nous allons y arriver à ce point-là, mais effectivement, comme vous l'avez bien deviné de par mes questions, pour l'instant, on se trouve au moment juste avant la crise, juste avant la bataille que vous avez faite mention. J'aimerais savoir comment la hiérarchie fonctionnait normalement. Par la suite, nous allons discuter de comment, s'il y a eu des changements ou qu'est-ce qui est arrivé par la suite, comment fonctionnait la hiérarchie par la suite. Vous venez juste de nous faire mention que les ordres allaient directement au capitaine Blé Kouassi. Mais on va y arriver. Alors, pour l'instant, juste avant, lorsque les ordres vous venaient, et j'imagine c'est de l'état-major de la garde républicaine, vous, est-ce que vous répercutiez ces ordres directement à vos éléments? Est-ce qu'il y avait quelqu'un, est-ce que c'était le capitaine qui répercutait ces ordres en tant qu'officier adjoint? Affirmatif, en fait, quand moi, je recevais les ordres, je les donc répercutais à l'officier adjoint. Et les officiers qui étaient donc de permanence étaient donc contactés pour recevoir aussi ces ordres. Et après cela, ces officiers donc exécutaient la mission. Et lorsque vous dites que les ordres vous venaient de la hiérarchie, on parle de qui au juste? Qui était la personne de l'état-major de la garde républicaine qui donnait les ordres? On parle bien du général Doubleblé.
Alors, simplement pour qu'on soit précis, il s'agit du général Dogbo Bruno, c'est exact? C'est exact. Et quel était le grade militaire? Quel était le grade exact? Je comprends que c'était général. Est-ce qu'il était général de brigade? Quel était son grade? Il était général de brigade. Alors, retournons à Trècheville. Vous nous avez mentionné le capitaine Blékouassi. J'aimerais savoir si à cette époque, il y avait un lieu pour l'instruction des recrues de la garde républicaine. Est-ce qu'il y avait un endroit où on entraînait les jeunes? Affirmatif, il y avait un endroit où, qui était le centre d'instruction de la garde républicaine, dénommée Akakro, et qui se trouvait dans la région de Bengerville, à l'est d'Abidjan. Alors, je crois que ces noms-là figurent également sur la liste qu'on a transmise. Ce n'est pas le cas, je vais... Alors, c'est Akakro. A-K-A-K-R-O. Et vous avez mentionné qu'il se trouvait à Bengerville, c'est exact? C'est exact. Est-ce qu'il y avait une personne qui agissait pour les fins de la garde républicaine en tant que, disons, en tant que chef ou directeur de l'instruction à Akakro? Affirmatif. Qui était cette personne? Là, mes souvenirs, je ne vois pas encore le nom. Mais si ça me revient, je vous dirai, mais je n'ai pas le nom de cet officier qui était là-bas. Je vais vous poser la question. Est-ce que M. Blékouassi agissait ou est-ce qu'il y avait un quelconque lien avec la question de la formation des recrues, à votre souvenir? Oui, il faut dire qu'il est rentré en action au niveau de la formation au dernier moment, juste dans le mois de décembre. Sinon, ce n'était pas lui qui avait en charge la responsabilité du centre d'instruction, mais c'est dans le mois de décembre 2010 que justement une formation a été initiée et c'est à lui qu'on a donné la charge de cette formation. J'aimerais aborder toute cette question maintenant. Vous dites que ce n'était pas avant décembre. Vous allez me corriger si j'ai tort. Vous nous avez dit que ce n'était pas M. Blé, le capitaine Blékouassi, qui était le chef de cette instruction ou de formation. C'était quelqu'un d'autre. Vous vous rappelez du nom de la personne? Je ne me rappelle pas du nom, mais si cela me revient, je vous le dirai. Merci, monsieur le témoin. Alors, vous nous avez également dit que c'est en décembre, et je comprends que c'est en décembre 2010, vous faites référence, que monsieur Blékouassi est devenu de facto, si l'on veut, la personne qui était en charge de cette instruction, l'instruction des recrues. C'est exact? C'est exact. Est-ce que vous avez, savez-vous comment ça s'est fait? Comment est-ce que monsieur le capitaine Blékouassi, qui se trouvait à Trècheville sous vos ordres, est devenu soudainement la personne qui était en charge de la formation des recrues en décembre 2010? Ce que je sais, c'est que une formation avait été donc décidée. Mais je n'avais pas été associé à cette décision. C'était un après-midi
J'étais à mon bureau lorsque le commandant en second, c'est-à-dire le colonel Abidjan, m'appelle et me dit que je dois recevoir deux jeunes qui viennent pour la formation devant avoir lieu, qui devait se tenir à Kakro. Voilà comment j'ai appris qu'une formation devrait se faire. À partir de cet instant, il m'a dit, bon, comme tu n'étais pas au courant, tu peux appeler le chef de corps. C'est ainsi que j'ai appelé le général Dogoblé Bruno, qui m'a effectivement confirmé qu'il y avait une formation qui devrait se faire. Et c'est comme ça que il m'a dit, bon, je viens vers toi. Il est venu à Trècheville et il était avec son chef de cabinet, le commandant Kipré Yagba. Et c'est comme ça que, quand il est arrivé, il m'a dit oui, il y avait une formation qui devrait avoir lieu à Kakro. Et le commandant Kipré m'a dit, ben, c'est nous qui avons demandé au capitaine Kwassi Blé de ne pas t'informer de cette formation. Et donc, voilà comment j'ai appris qu'une formation devait se faire. À cette époque, monsieur le témoin, qui avait l'autorité d'ordonner ou autoriser qu'il y ait une formation qui ait lieu à Kakro et que ce soit monsieur Blé Kouassi, le capitaine Blé Kouassi, qui soit l'instructeur? En principe, pour toute formation, c'est piloté par l'état-major général, qui donne donc la caution et les ordres, les messages arrivent à l'état-major de la garde républicaine, au niveau du bureau d'instruction, et puis la formation donc débute sous la responsabilité maintenant du bureau d'instruction de la garde républicaine. Alors, merci, monsieur le témoin, pour cette explication. Nous allons y revenir dans quelques instants, plus tard dans votre interrogatoire, mais j'aimerais pour l'instant retourner à la hiérarchie militaire. On avait commencé l'exercice avec Trècheville. Vous nous avez parlé des gens qui étaient sous vos ordres à Trècheville. Vous avez parlé également de monsieur, du capitaine Blé Kouassi Urbain. Est-ce qu'il y avait un dépôt d'armes à Trècheville à l'époque? Oui, j'avais un magasin d'armes, parce que c'est ce lieu-là, c'est dans ce lieu que les armes sont gardées. Et pourriez-vous nous dire, est-ce que vous vous rappelez de la personne qui était responsable de ce dépôt d'armes? C'était un adjudant. Là aussi, son nom m'échappe un peu. Est-ce que le nom de BD Coffee vous C'est dit exact. quelque chose? C'est exact. Merci, c'est BD, l'adjudant BD. Je comprends bien quand vous parlez d'adjudant, est-ce que c'est un adjudant-chef? Il était adjudant, mais je ne sais pas si mes souvenirs en temps, il était passé adjudant-chef, mais je crois qu'il était adjudant.
Est-ce que vous rappelez le nom d'autres adjudants-chefs qui se trouvaient dans votre caserne à l'époque? Oui, il y avait l'adjudant-chef Kokobo. Est-ce que, alors vous avez mentionné Kokobo, est-ce que son nom était également Goku Mathias? Oui, c'est exact. Est-ce qu'il avait une fonction particulière ou quand est-ce qu'il faisait quelque chose en particulier, selon vos souvenirs? Il était le chef des services techniques. Et simplement, si vous pouvez nous dire brièvement, qu'est-ce qu'il fait le chef de service technique? C'est celui-là même qui est chargé du maintien en condition des véhicules, la réparation et tout ce qui est commande d'ingrédients afférents justement à ces moyens roulants. Et à votre caserne de Trècheville, est-ce que vous aviez des engins blindés, des chars blindés à l'époque? Affirmatif, nous avions un escadron. Un escadron donc, qui est composé de 3 pelotons. Et les pelotons étaient repartis sur les 3 sites que je citais plus haut, c'est-à-dire Trècheville, Plateau et Cocody. Vous rappelez-vous de combien de, approximativement, je sais que ça fait un certain nombre d'années, de combien de chars blindés vous aviez, la sorte de chars blindés? Environ 9, hein, parce que un peloton, ça fait 3 engins. Donc, environ 9 au moins, je pense. Et si je comprends bien par rapport à votre explication, il n'y avait pas simplement 9 dans un endroit particulier, mais il se trouvait à 3 endroits. C'est exact? C'est exact. C'est pour une question d'efficacité. Donc, les pelotons étaient répartis dans les 3 endroits et faisaient des rotations. Voilà. Êtes-vous en mesure de nous dire quel genre de char blindé se trouvait à Trècheville même? À Trècheville, nous avions les chars de type russe, les BRVDM, et aussi un Mamba, qui est un engin blindé de type sud-africain. Vous avez mentionné BRVDM, c'est un char blindé à combien de roues? 6 roues, je crois. Et les Mamba? Les Mamba, c'est 4 roues. Alors, simplement qu'on soit clair sur cette question, il devait en avoir à l'époque, selon ce que vous nous dites, 3 chars blindés à Trècheville. C'est exact. Alors, vous nous avez mentionné également que vous aviez un certain rayonnement à l'époque en tant que commandant de la garde républicaine de la caserne de Trècheville. Vous avez mentionné Cocody et le plateau également. Alors, j'aimerais adresser la question de Cocody. Si je comprends bien, la résidence présidentielle se trouve à Cocody, c'est exact? Oui, avant de répondre à la question, je voudrais préciser, j'étais le commandant du groupement et non de la garde républicaine de Cocody. C'est groupement. Et ensuite, maintenant je réponds à la question. Oui, c'est à Cocody où se trouvait la résidence du président. D'accord. Et pouvez-vous nous dire qui était le commandant à Cocody à cette époque? C'était le commandant, le chef d'escadron, Kwame Bi Jean-Luc. Alors, c'était le chef d'escadron.
applies also to you. Merci, Monsieur le Président. Alors, la règle s'applique également à vous, Monsieur le Procureur. Kwame Bi, pourriez-vous nous dire quel était son grade militaire à l'époque? Il était chef d'escadron, c'est-à-dire commandant. Et l'escadron dont il était chef, c'est l'escadron de chars blindés dont vous nous avez fait mention il y a quelques instants dans votre témoignage. C'est exact? C'est exact. Et simplement pour que ça soit clair également, vous, en tant que commandant du groupement numéro 1, cette personne était en dessous de vous, hiérarchiquement. C'est une personne qui était subordonnée à vous, dans la hiérarchie. C'est exact. Et pourriez-vous nous dire quelle était la fonction de cette... Je crois bien que c'était... Est-ce que c'était bien une compagnie qui se trouvait à Cocody? À Cocody, il y avait plus qu'une compagnie. On parlait plutôt de sous-groupement de Cocody. Et donc, le chef d'escadron, Kwame Bi, était donc à la fois commandant de compagnie, la quatrième compagnie, et aussi le commandant de l'escadron. Alors, merci pour cette précision. Alors, je comprends que c'est un sous-groupement et le commandant Jean-Luc Kwame Bi était sous vos ordres à l'époque. Alors, pourriez-vous nous dire quelle était sa fonction à Cocody? Qu'est-ce qu'elle faisait, cette compagnie, l'escadron? Est-ce qu'elle avait une fonction particulière? Oui, comme je l'ai dit tantôt, pour une question d'efficacité, les trois lieux, je veux dire Cocody et Plateau, avaient des forces pour assurer justement la sécurisation de ces sites. Au Plateau pour le palais, Cocody pour la résidence. Donc sa mission, c'était donc de sécuriser la résidence au niveau donc de Cocody. Bon, alors passons pour l'instant au Plateau. Alors, si je comprends bien, il y avait également une compagnie qui se trouvait au Plateau, c'est exact? Affirmatif. Et d'après ce que je comprends, c'était la première compagnie. Affirmatif. Et qui était le commandant de cette première compagnie au Plateau? C'était le capitaine Sidi Bessamba. Et je sais que vous en avez parlé brièvement dans vos réponses, mais simplement pour que ça soit clair au dossier, quelle était la fonction particulière de cette compagnie qui se trouvait au Plateau? D'abord, assurer le service quotidien de sécurisation au palais, c'est-à-dire que filtrer les entrées et les sorties, garder les bâtiments du palais. Voilà, principalement, et maintenant aussi, comme je dis vraiment, mission principale, c'est sécuriser le palais. Et pourriez-vous nous dire combien d'éléments se trouvaient approximativement? Je sais que vous avez été, vous avez donné un chiffre dans votre témoignage pour la caserne de Trècheville. Je sais que ça fait quelques années, mais approximativement, combien d'éléments se trouvaient de la garde républicaine au Plateau à l'époque? Environ entre 120 et 150. Je ne vous ai pas posé la question pour Cocody, mais à l'époque, à Cocody, il y avait combien d'éléments approximativement? À Cocody, c'était pareil, hein. C'est le même effectif. Mais en plus, maintenant, il y avait le peloton donc, qui s'ajoutait. Et donc, en gros, une trentaine de personnes, voilà.
Et effectivement, pour que ça soit clair dans le dossier également, le capitaine Sidibé Samba, c'était une personne qui était sous vos ordres, qui était hiérarchiquement inférieure à vous. Il répondait à vous. C'est exact? C'est exact. Alors, venons-en à l'état-major de la garde républicaine à l'époque. Vous en avez parlé à plusieurs reprises dans vos réponses. Vous nous avez mentionné dans un premier temps qu'il y avait le général de brigade d'Ogboblé, Bruno, qui était, si je comprends bien, qui occupait à l'époque la fonction que vous occupez présentement, c'est-à-dire commandant, chef du corps de la garde républicaine au complet. C'est exact? C'est exact. Est-ce qu'il avait des officiers adjoints pour l'aider dans ses tâches? Affirmatif. C'était le colonel Abidjan. Est-ce que c'était le seul adjoint qu'il avait ou est-ce qu'il avait un autre adjoint? C'était le seul adjoint. Alors, vous dites que c'est un officier adjoint. Est-ce qu'il avait des fonctions particulières? Qu'est-ce qu'il faisait au juste? Oh, il était chargé surtout de la discipline au niveau du corps et tout ce qui était opération sur l'étendue du territoire, c'est-à-dire tous les déplacements du président, c'était lui qui était vraiment au niveau sur le terrain, à la tâche pour coordonner toutes ces opérations. Vous avez mentionné également, durant votre témoignage, M. Yagba Kipré. Pouvez-vous nous dire qui était cette personne? Yagba Kipré, le commandant Kipré, était l'officier adjoint. Si vous voulez, quand on parle d'officier adjoint, c'était le chef de cabinet. Le chef de cabinet du chef de corps. Si vous voulez, c'est un peu son grand secrétaire. Voilà. D'accord. Afin qu'on puisse bien comprendre, il y avait en effet deux officiers adjoints, mais un officier adjoint qui se chargeait des questions administratives. Ça aurait été, c'est M. Yagba Kipré. C'est exact, c'est ce que vous voulez nous dire? Oui, le terme exact. C'est le commandant en second. Le juge président, ménagez s'il vous plaît une pause. Terminez votre question, patientez un peu, sinon ça risque de semer la confusion. More discipline, thank you. Un peu plus de discipline, s'il vous plaît. Ok, merci, monsieur le président. Donc, je disais que je veux préciser l'adjoint du général de Maublé avait donc la fonction qu'il occupait, c'est la fonction de commandant en second. C'est ça le terme exact. Maintenant, la fonction d'officier adjoint, c'est une appellation, comme je dis, pour simplifier, qui fait office de secrétariat, celui du chef de secrétariat. Voilà. Merci, monsieur le témoin. Alors, si je vous comprends bien, en fin de compte, le colonel Jean Abi, c'était le commandant en second. C'est exact? C'est exact. Et monsieur le commandant Yagba Kipré, c'était plutôt... il y avait un cabinet à l'époque, j'imagine, pour monsieur Dogbo Blubruni, c'était le chef de ce cabinet. C'est exact? C'est exact. Est-ce qu'il y avait, à cette époque, dans la garde républicaine, quelqu'un qui était le chef des opérations? Affirmatif, c'était le lieutenant-colonel Ohoku Modi.
simplement pour qu'on puisse bien comprendre cette fonction, pourriez-vous nous expliquer brièvement en quoi consiste cette fonction de chef des opérations? Le chef des opérations, c'est l'officier, c'est celui-là même qui met en place la manœuvre, la stratégie de sécurisation d'un événement. Donc c'est celui-là même qui est l'homme orchestre de ces opérations. D'accord, je crois comprendre, mais je veux simplement que ce soit beaucoup plus, un peu plus clair pour le dossier. Admettons, à titre d'exemple, qu'il y a un ordre de mission qui est émis de la part du général Dogboblé Bruno. Qui va répercuter cet ordre au sein, à votre égard? Qui va vous donner cet ordre? Qui va vous le transmettre pour que vous, à votre tour, vous allez pouvoir le répercuter auprès de vos éléments? Lorsqu'il y a une mission qui est programmée, le chef de corps nous donne déjà le programme, l'information. Maintenant, quant à la mise en œuvre au niveau des opérations, il y a un ordre d'opération qui est fait par le bureau des opérations, par le chef des opérations, pour répartir les missions, les tâches des uns et des autres. Donc, cet ordre de mission, cet ordre de mission, je veux dire d'opération du moins, est signé de la main du chef de corps. Et ces ordres d'opération sont ventilés maintenant de façon officielle, et ce qui nous permet maintenant de suivre les ordres donnés par cet ordre d'opération. D'accord. Alors, si je vous comprends bien, c'est le général Dogboblé Bruno qui, premièrement, va émettre l'ordre. Et la ventilation, la mise en œuvre, va se faire par la suite, lorsque cet ordre va être répercuté. C'est exact? Exact. Alors, je crois que... Alors, en tant que chef d'opération... Vous avez mentionné M. Oku Modi. Je crois bien que... Maître André. Monsieur le Président, je comprends bien Monsieur le Procureur, mais je souhaiterais, et vous allez m'excuser parce que dans le PTB, nous savons à peu près comment est-ce que certaines allégations ont été avancées par le procureur. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais je souhaiterais que les questions posées par M. le procureur soient un peu impersonnelles et générales. Je souhaiterais. M. le Président, je sais vraiment pourquoi est-ce que l'équipe de défense de M. Charles Blegoudé souhaite cette précision. Les questions du genre, lorsque c'est M. Dogboblé qui donne des instructions, non, je souhaiterais que le procureur pose des questions un peu plus ouvertes. Comment est-ce que les ordres s'exécutaient au sein de la garde républicaine et donc permettre au témoin lui-même de déplier ce qu'il veut dire? Parce que les phrases introductives du genre, lorsque M. Dogboblé donnait des instructions, j'ai peur que dans 2 ans, dans 3 ans, on les utilise à une autre fin. Le juge président, ne posez pas de questions suggestives. Si vous ne posez pas de questions suggestives,
Enfin, c'est à vous de formuler vos questions comme bon vous semble, à condition qu'elles ne soient pas suggestives, et tâchez d'être aussi précis que possible. Monsieur Garcia, très bien, monsieur le président. Je voulais simplement revenir sur des choses qui ont été déclarées par le témoin. Mais je suis tout à fait. Je prends note des préoccupations de la défense. Avec votre autorisation, j'aimerais poursuivre mon interrogatoire. Monsieur le témoin, on était. J'allais vous poser une question sur le lieutenant-colonel Oroku Modi. Vous nous avez affirmé que c'était le chef des opérations, si je comprends bien. Quelle était sa fonction à lui lorsque, effectivement, on émettait un ordre de la part de l'état-major de la garde républicaine? Qu'est-ce qu'il faisait, lui? Expliquez-nous ça. Il faut préciser que il avait deux casquettes. Il était l'officier en charge des transmissions de la garde républicaine et aussi officier responsable des opérations. Donc, comme je l'ai dit tantôt, lorsque l'ordre donné par le chef de corps était donc fait et donné, c'est à lui donc qui mettait donc sur papier l'ordre d'opération, qui est un ordre, comme je dis, qui donne répartit les tâches, les missions des uns et des autres sur le terrain. Et donc, une fois que nous sommes déployés sur le terrain, à ce niveau, c'est lui aussi qui coordonne sur le terrain aussi. Et des fois, il peut être aussi en arrière, au niveau d'un poste de commandement, le PC, qui gère les opérations sur le terrain. Alors, vous avez dit que c'est sur papier. J'aimerais que vous nous expliquiez un peu plus. Est-ce que ça se faisait par télécopieur ou est-ce qu'il y avait un autre moyen de communiquer les ordres qui venaient de l'état-major de la garde républicaine à l'époque? Oui, lorsque l'ordre d'opération est pondu, Trècheville-Plateau, mais c'est pas loin, il y avait un service courrier qui nous portait cet ordre d'opération à Trècheville. Et des fois, si c'est urgent, par fax, on pouvait aussi recevoir ces papiers. Donc, par fax ou par courrier en main propre, est-ce qu'il y avait d'autres moyens? Est-ce qu'on utilisait d'autres moyens pour transmettre les ordres qui venaient de l'état-major de la garde républicaine? Oui, ces ordres, en fait, si sont des ordres ponctuels pour quelque chose à réaliser dans l'immédiat, par radio, mais on peut donner ces ordres. Et j'aimerais simplement savoir sur ces ordres d'opération qui provenaient de l'état-major de la garde républicaine. C'est un document dont vous nous avez parlé. Est-ce qu'il y avait un sceau sur le document, un timbre quelconque, une identification comme quoi que ça venait effectivement de l'état-major? Oui, affirmatif, en fait, je dis que le sceau était celui du chef de corps, du général commandant la garde républicaine. Alors, c'était le sceau du général Dogbobley Bruno, c'est exact? Affirmatif. J'aimerais également savoir, là, vous nous avez parlé des ordres d'opération, ordres de mission, si l'on veut. Par la suite, lorsque vous aviez accompli cette opération, cette mission, est-ce qu'il y avait un compte-rendu qui se faisait à l'état-major? Oui, naturellement, on faisait un débriefing après les opérations pour voir ce qui avait marché ou pas. Et
afin qu'on le sache, le debriefing, ça se passait comment? Est-ce que c'était de façon... qu'est-ce que vous faisiez au juste? À ce debriefing, il y avait donc le chef des opérations, le commandant du groupement inclusivité et tous les officiers ayant donc participé à cette mission. Cela consistait donc à voir les points négatifs et les points positifs et puis corriger le tir pour les prochaines missions. Est-ce qu'il y avait un document quelconque qui était transmis à l'état-major ou c'était simplement un débriefing qui se faisait de la façon que vous nous expliquez oralement? Oh, c'était oral. Et j'aimerais savoir, est-ce que ça se passait comme ça de façon systématique, qu'à chaque fois qu'il y avait une ordre de mission ou une ordre d'opération, il y avait un compte-rendu qui se faisait? Non, ce n'était pas systématique. Quand on avait le temps, on le faisait parce que les activités au niveau donc, du corps étaient, se suivaient à vitesse effrénée. Et donc, quand on pouvait le faire, on le fait. Mais quand on ne peut pas, ben, on ne le fait pas. Alors, vous nous avez parlé de ces debriefings. Est-ce qu'il y avait d'autres rencontres de cette manière qui impliquaient et vous-même et l'état-major pour leur expliquer exactement ce qui se passait sur le terrain? Oui, effectivement, nous avions des rencontres qu'on appelle dans notre jargon des rencontres de corps, que ça se faisait mensuellement. Et justement, au cours de ces réunions, de ces rencontres, c'était pour faire un peu le bilan et pour voir au niveau de tous les services tout ce qui marchait ou ne marchait pas. Et donc, lorsqu'on arrivait sur le volet des opérations, mais les opérations donc intervenaient pour dire un peu au niveau du bureau opération quels étaient les soucis, les problèmes qu'ils avaient et comment est-ce qu'ils comptaient par rapport aux aspects négatifs qui ont été relevés, comment les corriger, comment améliorer le service. Voilà un peu. Pourriez-vous nous dire qui assistait à ces rencontres ou ces rencontres mensuelles dont vous venez juste de nous parler? Mais à ces rencontres, il y avait tous les officiers et les sous-officiers qui avaient des responsabilités au niveau du corps. Donc c'était une rencontre élargie où le chef de corps donnait à l'issue ses directives. Voilà. Simplement, monsieur le témoin, pour qu'on puisse bien comprendre ce que vous venez juste de nous dire, vous dites que le chef du corps donnait ses directives. Pourriez-vous nous expliquer un peu plus ce que vous voulez en dire par ça? Donner ses directives par rapport à quoi? Par rapport à la bonne marche du corps, ce qu'il entendait au niveau de la discipline, ce qu'il voulait au niveau des opérations, au niveau de la formation. Et voilà un peu, c'est sur ces axes-là par rapport à son plan qu'il donnait au niveau en début d'année. Voilà. Est-ce que ce genre de rencontre, c'est le fait de tenir ce genre de rencontre, c'est poursuivi durant la période de temps où il y a eu la crise post-électorale? Non, non, non. Il n'y a pas eu ce type de rencontre pendant cette période. Est-ce qu'il y a une autre genre de rencontre qui se faisait durant cette période de temps, durant la crise post-électorale, des rencontres entre officiers de la garde républicaine? En tout cas, pas à ma connaissance, parce que moi, j'étais à Trècheville et
Je n'avais jamais été convoqué à l'état-major pour une quelconque réunion. Donc je ne peux pas dire si il y avait des réunions. Peut-être qu'il y avait des réunions au niveau du noyau dur de l'état-major. Peut-être, mais là, je ne puis affirmer si oui ou non, parce que je n'ai jamais été donc invité à ces réunions, à une réunion s'il y en avait. Alors, monsieur le témoin, simplement, je vais revenir sur une question. Vous nous avez mentionné que le chef d'opération était le lieutenant-colonel Hukum Modi au niveau de l'état-major de la garde républicaine. À votre niveau, au camp de Trècheville, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait également ce genre de position, mais au niveau du camp même, chef d'opération? Affirmatif. En plus du rôle de second que le capitaine Blé avait, il occupait aussi cette fonction de opération. Et je parle encore de cette période de temps juste avant le déclenchement de la crise post-électorale. Lorsque les éléments, vos éléments à Trècheville sortaient faire des missions, des opérations, suivant des ordres que vous-même vous aviez reçus, est-ce qu'on faisait un compte-rendu? Est-ce qu'on vous faisait, vous, personnellement, un compte-rendu de ce qui était arrivé dans cette opération? Oui, en fait, quand mes éléments allaient faire des missions de patrouille et de maintien d'ordre, lorsqu'ils revenaient, ils venaient des fois avec des jeunes au niveau du camp de Trècheville. Et donc, une fois arrivé là, notre rôle était donc de prendre ces jeunes et de les acheminer à la préfecture de police ou à la brigade de recherche. Donc, les comptes rendus donc étaient faits, rien à signaler, à part ces éléments qu'on a pris, soit qui étaient en train d'enflammer des pneus, et il fallait donc rétablir l'ordre. Donc ces éléments qui étaient donc appréhendés une fois à Trècheville étaient acheminés à la préfecture de police ou à la brigade de recherche. Alors, hormis ces cas de jeunes qui étaient arrêtés avant la crise post-électorale, lorsque vous envoyez vos troupes, vos éléments compléter la mise en œuvre d'une mission, est-ce qu'on vous faisait un compte-rendu? Est-ce que ça se faisait de façon orale ou est-ce qu'il y avait un document qui était rédigé? Comment ça se passait dans les faits? C'était juste un compte rendu oral qu'on me faisait, mais en même temps aussi, je suivais moi à la radio s'il y avait des problèmes particuliers, j'essayais de le régler, mais sinon déjà, je suivais à distance ces missions, et puis quand mes officiers revenaient, un compte rendu verbal était fait. Voilà comment ça se passait. Est-ce que c'est les officiers eux-mêmes qui avaient participé dans la mission qui vous faisaient le compte-rendu ou est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait cette tâche dans votre camp à Trècheville qui vous rapportait ce qui était arrivé? À la tête de chaque mission, il y avait un officier. Et c'est cet officier qui, de retour, me faisait le compte rendu. Alors, par la suite, Monsieur le témoin, nous allons entrer maintenant la période de la crise post-électorale, lorsqu'elle a déclenché. Est-ce qu'on a continué à vous faire rapport? Est-ce que les... Can we stop? Le juge président, est-ce que alors nous pourrions nous interrompre maintenant, puisque vous changez de période, Monsieur Garcia? Oui, tout à fait, Monsieur le président. Le président, donc il est quasiment 11 h, nous allons faire une pause d'une demi-heure. Donc, vous pourrez vous reposer et ensuite nous reprendrons pour 1 h 30 jusqu'à 13 h et à 13 h nous aurons notre pause déjeuner. Voilà, pour que vous soyez informés. Merci. Ça
So the hearing is adjourned. Donc l'audience est suspendue jusqu'à 11h30.